Messieurs, est-ce que ce stade n'est pas aussi intimidant pour les arbitres? Car au cours de ce match, les arbitres n'ont pas voulu laisser la dernière action bavaroise aller jusqu'au bout, jusqu'à son terme. Alors que c'est un peu la tendance, Philippe Doucet, depuis l'instauration de l'assistance vidéo. Même eux, même les arbitres, inconsciemment, se sont peut-être laissés impressionner, même si on a vu, hein, on va voir au révélateur qu'il y avait position de hors-jeu, mais la logique voudrait qu'on puisse laisser cette action. Pas sûr, parce que Mazraoui, je ne pense pas qu'il soit hors-jeu. Enfin, regardez ce révélateur. C'est très limite. Qui est sorti aujourd'hui. Mais c'est Mazraoui qui prend le ballon, donc ce n'est pas évident. On peut le sanctionner, on peut même sanctionner le joueur qui est hors-jeu de position et qui influe éventuellement sur l'action, mais ce n'est pas une évidence. Pour moi, Mazraoui ne l'était pas, donc il pouvait y avoir débat. Mais le débat aujourd'hui, c'est sur le débat. Le débat, de toute façon, il n'y a pas de débat. C'est une erreur. Dans l'arbitrage d'aujourd'hui, moderne, comme l'a dit très bien expliqué Tourelle, aujourd'hui, l'assistant, quand il n'est pas totalement sûr qu'il n'y a pas 2 mètres d'écart, il doit laisser l'action aller au bout. Et même, souvent, il y a 2-3 mètres. Et même, parfois, ils exagèrent dans ce sens-là. Là, franchement, c'était trop ténu pour lever son drapeau. Il a fait une erreur, il l'a reconnu. Comment on peut expliquer cette erreur? Est-ce qu'on peut l'expliquer par l'atmosphère? Ça arrive, voilà. Ça arrive. C'est pas le premier match où ça arrive. Ouais. Par contre, évidemment, à la 98e ou 102e minute d'une demi-finale de Ligue des Champions, sur une action qui, on voit pas du tout qu'il va y avoir but après, hein. Faut être honnête. Ouais, ouais. Au moment où il lève c'est le drapeau. C'est pas un but refusé, parce qu'on a beaucoup entendu. Il y a un but refusé. Non, mais il n'y a pas des buts. Mais non, et la balle est retouchée par 3 joueurs après. Donc, honnêtement, quand il lève, il n'est pas en train d'annihiler une occasion de but. On ne sait même pas que ça va être une occasion. Et on ne sait même pas d'ailleurs si les joueurs du Real jouent vraiment parce que le coup de sifflet intervient. Donc bon, c'est pour nuancer un peu, mais c'est une vraie faute d'arbitrage, de méthode d'arbitrage. Donc exaspérant pour les Bavarois, oui. Mais en même temps, c'est pas le scandale. C'est pas le scandale du siècle comme il y a eu à des Real Bayern quelques années. Les 3 buts hors jeu de Ronaldo, le Vidal qui prend un rouge fantaisiste, ça on s'en rappelle. Alors, monsieur, dites-moi, il siffle pourquoi? Alors que la jurisprudence actuellement veut qu'on puisse laisser l'action aller jusqu'au bout. Est-ce que c'est l'atmosphère? Est-ce que c'est l'ambiance? Il s'est dit, je pense que j'ai pas besoin. Comme pour des joueurs, parfois il y a un manque de lucidité parce qu'il y a l'influx. Ça arrive à Clermont. À Clermont-Metz, ça arrive, hein, de temps en temps, il y en a un qui lève le drapeau, on se dit, mais pourquoi il l'a levé? Parce que c'était pas évident. Mais là, on a soigné les meilleurs arbitres quand même. C'est Simon Marcinia qui l'a. Il y a plus de chances que ça arrive à Clermont-Metz. Il y a le meilleur gardien, Neuer, il fait une erreur. Quand même, c'est pas parce qu'ils sont là, les erreurs arrivent partout. Neuer ne fait pas d'erreur, c'est Eric Dyer qui fait une erreur. Il ne peut pas avoir suivi la frappe. Parce que la frappe, elle était puissante, il y a un rebond avant. Regardez, moi je veux qu'on puisse prolonger sur le débat. Regardez la déclaration de Matthijs de Ligt, le défenseur du Bayern Munich. Il dit, si je suis hors-jeu, pas de problème. Mais je ne sais pas si je le suis et les règles sont claires. L'arbitre doit laisser l'action aller jusqu'à son terme avant de siffler. Clair. C'est la règle. Je trouve cela un peu honteux. Les buts de Rossellou étaient aussi presque hors jeu et il continue à jouer. Alors pourquoi pas avec nous? L'assistant s'est excusé. Je ne voudrais pas dire que le Real a toujours de la chance, mais ça fait aujourd'hui la différence. Il le dit entre les deux. Il a un peu raison. Alors par contre, sur la règle, quand il dit la règle veut qu'on laisse aller jusqu'au bout, ça c'est pas vrai. C'est l'usage qui a fait qu'on a. C'est le VAR. Voilà, c'est qui a fait qu'on a jusqu'au bout. Mais sur le fond, dans l'esprit, il a 100% raison. Ouais. Et en plus, il prend un bon exemple avec Rossellou qui finalement n'était pas hors jeu. Mais si on arrête cette action-là. Non, mais honnêtement, plus. Le doute et la suspicion sur le fait que le Real n'est pas arbitré comme les autres, parce que c'est ça en fait le fond du truc, c'est que comme par hasard, la pièce elle retombe toujours à peu près du même côté. Pourquoi ils ne sont pas arbitrés comme les autres? C'est un grand club, c'est parce que c'est à Bernabeu. Moi, il me faut des preuves, moi je ne suis pas dans le complotisme. Tu gagnes pas 14 championnats. Tous les grands clubs de tous les championnats sont avantagés. Sont avantagés. De tous les championnats. On ne dit pas favorisés, mais ils sont avantagés. Non, mais là, ils sont avantagés contre le Bayern, qui est un monstre européen. Je veux dire, ils ne sont pas avantagés. Ils sont à domicile. Non, mais là, c'est peut-être une erreur, mais en manière générale, tu dis le fond du problème, c'est ce que le Real est. C'est ce qui se dit, quoi. Ils n'ont pas toujours ce genre de situation en demi-finale de Ligue des Champions. Non, mais il faudrait prendre un truc. C'est plus un truc global et ça vient rajouter un petit peu de l'eau au moulin des détracteurs. Si le Real avait été éliminé, peut-être que d'autres seraient revenus sur le but refusé du Real en disant que ce n'était pas normal, machin. C'est difficile à dire. Des goûts et des couleurs. Je veux dire, il y a un regard un peu partisan sur ces discussions-là. Honnêtement, ce n'est pas le scandale du siècle. C'est une vraie erreur technique d'arbitrage. Mais on ne sait même pas, les défenseurs s'arrêtent un peu, on ne sait même pas s'il y aurait eu but. Franchement. Pour revenir au débat. Gardien, Lounini. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce stade de particulier?
Tous les grands clubs, tous les grands clubs ont des avantages avec l'arbitrage. Il y a souvent des grands joueurs, des grandes équipes, voilà. Ouais. Tous les grands clubs. Et le PSG se plaint, raconte que c'est uniquement comme ça que le Real et le Barça ont construit leur carrière. Ils sont arbitrés différemment à Ligue 1. Bon, je crois qu'à la 15e Coupe d'Europe, peut-être qu'ils vont reconnaître que le Real en a gagné normalement quelques-unes quand même, à la 15e peut-être. Mais surtout, attendez, le PSG cette année, pénalty bidon contre Dortmund qui les fait gagner, pénalty bidon contre Newcastle qui les fait une égalisation, sinon ils sautent, ils passent à la trappe. Il faut arrêter. Je veux dire, tous les grands clubs ont à un moment des petits coups de pouce. Hein. Ça finit par s'équilibrer. Et alors, oui, mais sur le moment, sur un match, non. Là, sur un match, il y a un avantage pour un club. Là, c'est parfois, gênant. Ouais. Mais bon, en Allemagne, ils rappellent quand même qu'ils ont, bah oui, déjà, sûr, voilà, ils ont déjà connu ça. Face bah au, oui, bien sûr. Quand on est Real, face au Bayern. Madrid, par le passé. Après, vous prenez un joueur comme Müller. Vous parliez tout à l'heure d'un stade intimidant. Bon, Müller, il va gagner 7-1 avec l'équipe d'Allemagne au Brésil, quoi. Ouais. Je pense qu'il ne doit pas être très impressionné par Bernabéu. Le gars, il va au Brésil, dans le pays du football, il gagne 7-1 en demi-finale. À mon avis, il ne doit pas trop trembler en arrivant. Mais après, bon... Je suis pas d'accord. Ah ouais. Je ne peux pas comparer. La même chose. Je peux pas comparer. Le football de club, c'est un peu plus... C'est un peu plus festif, je pense que les Brésiliens, ils avaient... Le maillot national, c'est lui rapporté. Hein. Non, mais il leur portait, mais on parle d'ambiance. Sans avoir été au stade... que ce soit au Vélodrome ou à Bernabéu sur les deux derniers matchs qu'il y a eu. Sincèrement, en regardant la télé, j'ai été plus impressionné par les supporters de l'OM que ceux du Bernabéu. On parle d'un stade intimidant, c'est-à-dire il y a la pelouse aussi. Il y a pas que on ne parle pas des tribunes, on dit le stade. On est au moins d'accord qu'il y a des équipes qui bénéficient encore. Je préfère jouer Marseille que le Real Madrid. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Oui, mais des équipes gagnent à Madrid. Et voilà. Après, il y a les stades guet-apens où tu as peur de pas sortir. Moi, j'ai plus peur s'il y a un remplaçant qui s'appelle Modric qui rentre que si c'est un remplaçant de l'Olympique de Marseille. Monsieur, vous voulez savoir ce qu'en pensent nos abonnés? Allez, je vais vous dire du sondage avec vous, Flavien. Est-ce que vous l'avez? Oui, bien sûr, je l'ai. Donc, Santiago Bernabéu est-il le stade le plus intimidant d'Europe? 81% de oui contre 19% de non, malgré l'argument béton de Nabil Djellit. Effectivement, ils sont un peu plus allants sur ce thème. Est-ce que le Real Madrid a volé sa qualification contre le Bayern de Munich? Selon toi, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Real Madrid. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fait, on est parti. Alors, le Real de Madrid, les amis, le Real, la Maison Blanche, est-ce qu'ils ont volé les qualifications? Est-ce que le Bayern méritait mieux? Est-ce que le Bayern méritait de se qualifier? Pour moi, je pense que le Real n'a pas volé sa qualification. Certes, il y a eu un fait de jeu à la dernière minute, notamment ce but refusé par le Bayern de Munich. Mais ce but, l'arbitre avait déjà sifflé. L'arbitre, les amis, moi j'en veux un peu à l'arbitre, puisque l'arbitre devait d'abord laisser circuler l'action. L'action devait d'abord finir. Ensuite, il pouvait dire s'il y a hors-jeu ou pas. Du moment où l'arbitre a sifflé, les jeux du Real se sont arrêtés. Pour moi, c'est très difficile de tirer une conclusion, puisque rien ne prouve que si l'arbitre avait laissé s'écouler l'action, rien ne prouve qu'un jeu du Real n'allait sortir là-bas un tacle. Puisque l'arbitre a sifflé, les jeux du Real se sont arrêtés. Les jeux du Real se sont arrêtés. Donc, pour moi, c'est vraiment une action qui est faussée. C'est une action qui est faussée. Beaucoup de personnes retiennent seulement le but. Ils oublient que les jeux du Real se sont arrêtés. L'arbitre devait laisser s'écouler l'action. L'arbitre de cette rencontre, il ne devait pas siffler. Il devait laisser s'écouler l'action. Et à la fin, il juge s'il y a hors-jeu ou pas. Mais dans l'ensemble du match, le Real de Madrid n'a pas voulu sa qualifier. Le Real a tiré plus que le Bayern. Le Real a tiré plus que le Bayern. Le Real s'est procuré des occasions plus que le Bayern. Le Real, les amis, ils ont été endurants plus que le Bayern. Le match se joue 90 minutes. Le match ne se joue pas 97 minutes. Le match se joue 90 minutes. Et le Real de Madrid a été constant. Le Real finit souvent très très bien ce match. Donc, moi je pense même que si ce match-là partait même aux prolongations, le Bayern allait toujours perdre. Le Bayern allait toujours perdre. Du moment où Thomas Tuchel a sorti Harry Kane, pour moi, ça a été une erreur monumentale. Après, en conférence de presse, Thomas Tuchel, il a dit que Harry Kane était blessé, nanana, il ne pouvait pas finir le match. Mais c'est du bullshit. C'est du bullshit. Harry Kane, je suis persuadé qu'Harry Kane n'était pas blessé. C'était un choix tactique.
C'était une erreur. Il a commis une erreur et il a payé cash. Il a payé. On dit souvent que la meilleure défense, c'est l'attaque. Il devait laisser Harry Kane. Harry Kane, c'est un garçon qui pèse sur les défenses. C'est un garçon qui pèse sur les défenseurs. Rien que sa présence là, ça fusserait défense. Ça fusserait défense. Donc, même si ce match-là allait aux prolongations, moi, je ne pense pas que le Bayern de Munich devait se qualifier. Puisque le Real de Madrid, lorsque le Real prend l'ascendance écologique sur toi, lorsqu'ils prennent l'ascendance écologique sur toi, c'est game over, c'est mort. Tu oublies. Ce Real-là, mentalement, ils avaient pris le dessus sur le Bayern de Munich. Et du coup, je voyais très mal le Bayern de Munich gagner même aux prolongations. Surtout sans Harry Kane. Surtout sans Harry Kane. Donc, les amis, même si ce match part aux prolongations, ça devait être très compliqué pour le Bayern. Très, très, les amis. Après, comme je vous l'ai expliqué, le Real de Madrid n'a pas voulu sa qualification. Le Real de Madrid n'a pas voulu sa qualification. Ce n'est pas la première fois. Le Real de Madrid a déjà eu, par le passé, a fait des remontadas. Face au PSG, ils l'ont fait. Face à Manchester City, ils l'ont fait. Face à Chelsea, ils l'ont fait. Face à Liverpool. Bref, il y a plein de choses comme ça. Ce Real-là, ils sont très forts dans les remontadas. Très, très forts. Ce n'est pas la première fois. Ce Real-là, je pense tout simplement que le Real, mentalement, ils sont très, très forts. Le Real de Madrid, ils ont un mental d'acier. Ça montre à quel point, pour remporter une compétition, il te faut du mental. Et c'est ça qui a manqué à Manchester City pendant longtemps. City de Guardiola, il fut une époque, mentalement, ça a explosé. Ça a explosé notamment face à Lyon. Face à Lyon, c'est inadmissible que tu te fais sortir face à Lyon. C'est inadmissible. Face à Monaco, face à Tottenham, c'était inadmissible. Donc, le mental joue beaucoup. Le mental compte beaucoup dans le foot. Et le Real de Madrid, ils ont ce mental-là. C'est ça la grande force du Real. Outre le fait qu'ils ont du talent, ils ont également un mental d'acier. Après, partage-moi ton réflexion, commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et on se dit à très bientôt pour notre revue, les amis. Ciao, ciao.